Putain, mon cerveau, il est en train de bouillir. Il est en train de bouillir. Oh, ça fait 1h20 bientôt, là. Holmes, que faites-vous là? Que manigancez-vous? Une mission de mon cru. Vous allez jouer le rôle du médecin consciencieux, pendant que moi, je fouille la maison de marche. C'est le seul moyen d'aider le petit homme. Ce n'est pas l'entrée la plus discrète. Ok, il faut une entrée discrète. Bah du coup, par derrière, je pense. Je pense qu'on va arriver soit par la fenêtre derrière où est-ce qu'il y a l'écusson. Soit on va aller avec l'escabeau. On va peut-être monter dès le premier étage directement. Non, je crois pas. La fenêtre est bien fermée. Ah! Bah par derrière du coup. Ok, donc là il me faut le... Je crois que j'ai compris, mais là il me faut le 1. Et ensuite le 2. Il n'y a pas de place pour ce crochet. Comment ça, il n'y a pas la place de... Attends, mais je veux changer de... Ah ok, d'accord, faut retirer, remettre. Okay. Ça, c'est pas le plus compliqué, il faut juste le comprendre. Que puis-je faire pour vous? Je viens voir Lord Marsh. Pourquoi? Je souhaiterais voir Lord Marsh, s'il vous plaît. Oh, quel maladroit! Pourriez-vous éviter Je de... dois voir Lord Marsh pour lui offrir mes services. Allons, Fisher. Laissez donc entrer le docteur Watson. J'étais pas prêt. Beau travail, Watson. J'étais pas prêt du tout. Mais là, il y a des fusils, il y en a masse. Il y en a masse des fusils. Je peux me cacher ici. Ok, donc ça veut dire que... Il va venir. Ça va venir dans le bureau, ok, il y a un tableau. Faut que j'aille voir les fusils, ça m'intrigue trop. Il y a un coffre derrière. Voyons si ce coffre est... Je sais... Docteur, vous étiez donc si impatient de me revoir. En effet, j'aimerais vous examiner. Sait-on jamais, deux opinions valent mieux qu'une lorsque la vie du patient est en jeu. Eh bien, vu sous cet angle, j'accepte. Souhaitez-vous que j'attende dans votre bureau? Je vous en prie, docteur, restez. Je pourrais avoir besoin de votre aide. Vous comptez casser autre chose? Ça... Je ferai de mon mieux. Ça va être le moment de se cacher derrière la plante. Ok. Genre c'est tout, il est passé et... Il a pas vu le tableau? Genre il a pas vu. Oula. Alors, tournez la molette et repérez la zone qui sonne claire pour trouver la bonne combinaison. Ok. Ok.
Excusez-moi, je parle pas beaucoup, mais je suis concentré. Ok, ça va. Ça va, c'est pareil, c'est à maîtriser, mais une fois que c'est maîtrisé, c'est bon. Il y a un peu de thunes. Encore des lettres. J'admire tellement tous ces pots, ils me font de véritables bouffées d'air frais, communiquer avec eux, c'est un immense plaisir, et ils sont tellement brillants, pas comme nous. Peut-être aurait-il mieux... Valut mieux qu'il soit... Enfin, valut mieux qu'il soit Lord, et nous, roturier. Ok. Donc lui, il se sentait pas bien. 7 novembre. Le rendez-vous est donc pour aujourd'hui. Attends, le 7 novembre, ok. Ok, je joins cette l'endroit sans mal. Lord Colin, donc ça c'était un des trois fondateurs. Donc aujourd'hui il était censé le voir du coup. Faut qu'on aille aussi à la forêt d'Epping. Ok, on laisse la thune. Lord Marsh est un grand chasseur. Ok, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Maintenant, le plus important, je pense que du coup, c'est ce qui va être sur le bureau. Alors, la petite lettre. À ce jour, et selon mes estimations, le programme spécial d'éducation a sauvé plus de 200 individus de la déchéance et leur a permis d'atteindre une position leur permettant de soutenir les bases essentielles de notre empire prospère. Ceci a pu se produire en grande partie grâce à la sagesse et à la présence de Lord Marsh, un politicien des plus brillants et progressistes. Il a entrepris un travail d'envergure dans ce domaine, faisant fi des critiques et réticences de ses arrogants collègues tellement ancrés dans leurs habitudes. Donc là, il y a eu un peu de jalousie entre les lords, les gens qui avaient de l'argent, je pense. Vous ne comprenez pas, peut-être. Ok. Comment ça, je peux pas le... J'ai vraiment jeté le... Ok. Cher Lord Marsh, grâce au programme spécial d'éducation, ma vie a complètement changé. Je ne savais pas comment remercier. Donc en soi, il aide vraiment les pauvres. Ok. Cher Lord Collins, il me semble évident que nous pourrions apprendre de la gestion de l'Empire, ceux qui piétinent, ces gens qui nous laissent dans le besoin, revient en colonie. Genre, j'ai eu toutes les informations là. Ok. Je crains que ce ne soit un peu plus sérieux qu'une simple grippe, Lord Marsh. Et où est votre ami, Dr. Watson? Oh, probablement en train de mettre son nez dans les affaires de quelqu'un. Pardonnez-moi, my lord. Mais je dois vous rappeler votre rendez-vous. Il est déjà l'heure. Oh, pardon, Dr. Watson, mais nous sommes attendus. Pouvons-nous vous déposer quelque part? Vous sortez? Je ne crois pas que ce soit indiqué dans votre état. Merci de votre sollicitude, Dr. Watson. Mais la misère n'attend pas, je me dois de continuer. Prenez soin de vous, Lord Marsh. Dr. Fisher, je vous enverrai mon diagnostic. Merci à vous, docteur. Au revoir. Ok. Invitation, Lord Marsh invité à rendez-vous aujourd'hui, ok. Chasseur invétéré. Non. Non, par contre, chasseur invétéré, c'est pas aller avec ça, par contre. Forcément, bien sûr.
Ok, donc là. Ok, donc là il y a deux choses. Forcément, si je change pas d'avis, ça peut pas marcher. Donc si je mets qu'il y a un lien, du coup. Si je mets un lien. Et du coup, vu que ça a disparu. Georgian était au courant de certaines disparitions dans le cadre du programme social d'éducation. Ok. Ça, déjà, ça me paraît. Ça me paraît plus cohérent. Ok. J'ai pas un lieu là, j'ai pas une forêt là. Une carte à faire des miennes. Ah, moi je vais aller dans cette forêt moi. Peut-être ça se trouve qu'il est là-bas notre. Watson, que faites-vous à ma table? Je veux vérifier quelque chose à propos de Lord March. Bah oui, il est malade de quoi? J'ai l'impression que Lord March cache quelque chose au sujet de sa maladie. Sa toux, ainsi que sa fièvre et les puissances antalgiques qu'il prend, me font penser qu'il est gravement atteint. Oh, et légèrement le sang qui crache, éventuellement. Ok. Étudions... Ah. Des gouttes de sang dans les expectorations. Je devrais prendre un échantillon pour l'examiner au microscope. Eh ben faisons. Ok. Dans le micro-cro. Voilà. Et ensuite ça... Bon. Colorons l'échantillon à l'aide des produits chimiques. Ok. Bah, le... J'ai besoin d'une pipette. Ah, une pipi, une pipette. Ce produit doit être utilisé en troisième. Ok. On va faire dans l'ordre du coup, une gauche à droite. Ça fait beaucoup là, non? Et du bleu de méthylène? Et ben on met du bleu de méthylène. Bien. Étudions l'échantillon coloré sous le microscope. Oula. Ah, c'est quoi ça? C'est quoi? Une mycobactérie. Lord March est bel et bien gravement malade. Holmes, c'est très sérieux. Comme je le craignais, Lord March est atteint de tuberculose. Bah bon? Oh, la tubercule. Oui, vraiment. Holmes, il va mourir si on ne le transfère pas rapidement dans un sanatorium. Et pourtant, Lord March et le docteur Fisher font tout pour le cacher. Intéressant. Mais pourquoi? Mais pourquoi? C'est toute la question, Watson. Oh, mais... Mon Dieu. Vous pensez que Lord March a contracté la tuberculose en aidant les pauvres? C'est terrible. J'ai un rendez-vous que je ne peux pas annuler. Holmes, je vous demande d'être très prudent en mon absence. Cette maladie est extrêmement contagieuse. N'oubliez pas que nous avons des femmes sous notre toit. Moi, ce que je suis en train de me dire, est-ce qu'il ne le cache pas pour le transmettre aux pauvres? Enfin, ce qui serait débile, parce que du coup, je sais pas. Merci, Miss Alice. À plus tard. À bientôt, Kathleen. Kathleen. Où étais-tu? Notre voisine m'a prêté un livre. Elle est si gentille. Je crois qu'elle vous aime bien. Ça, j'en doute. Alors, votre enquête, comment ça se passe? Ça va. C'est la merde. Dracula. Oui. Au pensionnat, je n'ai pas le droit de le lire, vous savez. Bien, bien. Ah, forcément, c'est quand je coupe tout qu'elle arrête de parler. J'ai hâte de raconter ça à mes amis. Eh ben, tu raconteras ça à tes amis. Alors, sauf de tuer un homme, il mourra si rapidement. Pourquoi il le cache? Pourquoi? Non, non, c'est pas ça que je veux. Hey, eh, mais je suis pas au max, là, je dois aller où? Mmh.
ma table d'analyse. Elle me sert pour mon travail. Ouais. C'est la chambre de Kate. C'est prêt, c'est prêt, mais t'inquiète. Ce n'est pas ce qu'il me faut. Voilà, c'est ça, je suis con. Ah, tu es une créature Milou. C'était surnom qui donnait les uns au premier régiment. Suite officielle. Tireur d'élite. Tireur d'élite. Et voilà. Fusil, tireur d'élite. Ouais, c'est sûr, il veut exécuter quelqu'un, mais est-ce que c'est un rapport? Avec la carte, j'en ai un. Mes archives. Une invitation, blessure, marque symbole, un signe. Mais non! Non, c'est pas possible. La chimie, poison. Non. Marque symbole. Mais c'est un morceau de carte. Attends, il avait quel âge l'autre? Ah désolé, c'est loin d'être passionnant ce que je suis en train de faire, mais... C'est pas ce qu'il te faut, mais moi j'ai besoin de quoi, moi? Genre, je vais te faire tout ça pour rien, hein? Attends, par contre, j'ai des documents sur la tuberculose, quoi. Et voilà. Hein? Hudson's Oak se trouve dans la forêt des Pings. C'est l'endroit. Ouais. Attends. Attends, pourquoi les j'étais. Archives. Pourquoi j'étais con? Pourquoi j'ai. Ok, bon, oublions ça, c'est pas grave. Gunson Oak, le chêne est un arbre étrange et mystérieux. Oh, je voulais y aller dans cette forêt des Pings, là. C'est tout ce qui me manquait. L'origine. De son nom est inconnu, mais de nombreuses légendes de femmes, hein, certains, ok, et bah du coup, bah ouais, mais je vais y aller dans cette forêt des Pings, moi. Certains disent que pendant des siècles, les sorcières effectuaient des cérémonies pour etc, mais qu'un, ok. Ok, et donc est-ce que là je peux déranger, monsieur? Mes archives, je peux toujours les... Au final, j'ai fait ça, mais ça m'a pas du tout avancé, en fait. Ça m'a pas du tout avancé. Parce que je sais que ça se trouve, je sais que c'est dans la forêt qui. Oh, c'est tellement frustrant, tellement frustrant. Ah ok, donc là j'y ai plus accès. S'il vous plaît, monsieur, retrouvez mon père. C'est quoi ça? George Hurst a fait toutes sortes de métiers. Un homme dur à la tâche, apparemment. Non, je m'en fous!
Essayons de trouver l'endroit indiqué sur la carte manuscrite. Je suis qu'une merde, je suis qu'une pauvre merde. Ok. Ok, putain. Maintenant, il faut trouver une sorte de rond-point là, bizarre. Il n'y a pas y en avoir 10 000 des ronds-points. Putain, maintenant je vais mettre 17 ans à trouver ça, quoi. Est-ce que ça se tourne? Ça se trouve, c'est marqué en gros aussi sur la carte. Ah, c'est là. Et voilà, bon sang. Il faut que je me dépêche si je veux découvrir ce qui se trame dans la forêt. Allez. Allez, on est pas con, on n'a pas besoin de tricher. Papa, ce garçon, Wiggins. Il vient souvent ici ? Il m'aide de temps à autre sur certaines enquêtes. C'est pas Pourquoi le temps. J'aimerais bien lui parler. Lui parler ? Oh, papa ! À l'école, il y a que des filles. Et elles ont des conversations si ennuyeuses. Je suis sûre que Wiggins a des tas d'histoires intéressantes sur sa vie à Londres. Oh, ce serait si romantique. Choqué, non. Complice, non. Raisonnable, déconcerté. Raisonnable. Kathleen, tu sais que Wiggins n'a pas eu une vie facile. Je sais, c'est bien ce qui le rend intéressant. Oh, Kate. Bon, très bien, je vous laisse. Nickel. Ah, attends, on peut refaire des connexions. Bah, du coup, carte avec invitation. Logique. Donc, George Hart est au courant du rendez-vous entre Lord et ses amis. Ok. Ok. Ça déjà là on est sur quelque chose qui me plaît déjà. Après tu me diras c'est la première en soi enquête. Donc putain je vais mettre plus de 2 heures pour une enquête. Après j'ai mis le niveau difficile donc peut-être que ça a joué. Attends, j'étais pas prêt là, pourquoi d'un coup on... Pourquoi on me... Attends, je suis pas prêt moi. C'est douloureux. Ah oui, c'est douloureux. Je suis quand même pris 2 bastos. Choisissez le chemin le plus sec, le cas avec le chasseur, où il va où tu es. Rocher, plus un épineux. Parce que clairement, je me suis dit que s'il y avait des passages très difficiles, etc., je me suis dit que j'allais perdre du temps.
Gros, le mec il a un aimbot aussi là. Je sais pas si vous m'entendez bien du coup, avec la musique qui est d'un coup vachement forte avec tout ça, mais... Mais wesh! Je l'avais pas vu! Non, maintenant faut même regarder en bas quoi. Ouais, mais vas-y, il se rapproche trop là. Hein. Allez, cours, mon gros. Mais gros, non mais. Non, mais ça me fume! Il m'a bloqué! Buisson et... Attends, chemin creux, bloqué par arbre. Bah, descendre, buisson et... épargne. Ok, ça me paraissait être un meilleur choix. Mais wesh, c'est qui me... Et là, on... Il était pauvre. Cet homme a été tué récemment. Le corps est encore chaud. Bah, est-ce que ce serait pas Monsieur Hurst, là ? Trouvez-le ! Non, mais gros, c'est quoi cette chasse à courre, là ? Vas-y, putain. Je me suis pris 17 bastos depuis le début, quoi. Non, mais hey, c'est stressant de fou, hein, vous savez pas, bon. Mais il sprint ou quoi le refrain là? Putain, il tape ses meilleurs sprints. Hein. Regarde comme il court! Il est en train de faire un marathon le pote. Ok. Odeur de marécage, odeur. Bah, odeur de marécage en vrai. Grosse pierre. Ébloui. En vrai, odeur de marécage, je me suis dit avec les chiens, peut-être que ça peut être pas mal. J'en ai aucune idée, mais... Attends, utilisez-moi quand vous êtes couvert. Ah ok. Ah du coup marécage c'était peut-être pas le plus simple. C'était pas vraiment le plus simple. On était peut-être un peu con là. On est d'accord, du coup je suis mort entre eux en fait là. Bah, on va aller se voir ici. Pas d'inquiétude, personne ne trouvera votre corps. On va aller tout droit là. Putain, le fumier là, je veux savoir qui c'est. En plus, c'était mauvais.
Attends, j'ai un doute. Ok. Ah, ça casse les couilles. Pas d'inquiétude, personne ne trouvera votre corps. Mais c'est dur en vrai, hein. Là, il suffit pas que de trouver le chemin. Hein. Vas-y, je vais prendre à droite. À droite, j'ai pas d'abri par contre. Ok, bon, petite esquive. On t'entend. Ok, c'est bon, on est bien. Donc ouais, je confirme, le marquage n'était pas mérité. Hein. Je suis sur votre piste. Non mais gros. Ah, par contre, on pourra noter que Holmes. Il a un bon gilet pare-balles de base, quoi. Hein. Il tient bien. Bah, cours par contre, hein. T'arrêtes pas. Ok, je pense qu'il y a. Non, peut-être pas le premier abri. On entend de l'eau. Il va se jeter dans l'eau. Harrington. C'est le corps de Lord Harrington. Mais what? Il est mort d'une balle en plein front. Mon état se dégrade. Il faut que je pense à ma blessure. Est-ce que la personne qui est en train de chasser, c'est pas justement le père de Tom? Qui est en train de fumer les Lords? C'est quoi ça? Petite jolie plante rouge. Ok, bon, du coup, une petite cabane de quoi nous soigner. Je peux me cacher ici. Ok, donc ça, c'est-à-dire que forcément le chasseur va arriver. C'est une évidence. On est dans la cabane des trois lords. Le Quatermain Club, c'est sans doute la cabane de Lord Marsh. C'est tout? Tout ce que j'avais. Non. Ceci. Allez, soigne-toi, mon gros. Quelqu'un vient. Et je suis en susu, hein. Vas-y. Respirez, Lord Marsh. C'est bientôt fini. Qui êtes-vous? George Hurst, premier régiment d'éclaireurs. Je suis venu rendre justice. C'est ça? Un ancien soldat. Quelle ironie. Et vous n'avez pas été admis au programme spécial d'éducation? C'est exact. Un ancien soldat blessé ne vous servait à rien. Mais... il peut encore être dangereux. Nous avons beaucoup chassé dans ces bois. Je n'aurais jamais cru devenir la proie. J'ai vécu une belle vie. Je me suis affranchi des limites fixées par les autres. Je n'implorerai pas votre pitié, misérable verrou. Préparez-vous pour le dernier voyage. Attends, qu'est-ce que je dois faire? Ok. Corps de Harrington venge. Ah, attends. Corps de Harrington a dépouillé la tête dans la forêt. Non. Du coup, c'est pas celui-là. Ok.
Alors, chasse les pauvres et les lords dans la forêt. Lord marche ses amis chasse. Non, c'est du coup c'est lui forcément. Ok. Et du coup, bah, vengeance. Alors, genre, lorsqu'on tue Lord Marsh, le bouc émissaire de ses propres échecs ou. Non, je suis con. Donc là, je pense que j'ai pas besoin de réfléchir beaucoup pour être convaincu de ce qu'on est en train de voir, que Hearst est un psychopathe. Maintenant, est-ce qu'on doit condamner George Hearst ou l'absoudre ? Donc le condamné, on enverrait George Hearst à l'asile. C'est un psychopathe dangereux qui a abandonné son fils pour chasser les mécènes et les participants du programme spécial d'éducation. Il faut l'enfermer jusqu'à la fin de ses jours. Ou alors absoudre George Hearst, c'est-à-dire envoyer George Hearst au sanatorium pour qu'il soit soigné correctement. Il ne peut être tenu pour responsable de ses actes. Il n'est pas sain d'esprit. Espérons qu'il soit encore temps d'agir pour le bien de son fils. Aïe, 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 aïe. Ah, je fais quoi dans ces cas-là? Ah, il mérite d'aller. Ouais, il peut. Ouais, non, il. Ah, je sais pas. Pour moi, il mérite d'aller en asile. Allez, moi je vais partir, je vais l'envoyer, je vais le condamner. Même si ça fait mal au cœur pour son fils qui a déjà perdu sa mère. Mais un homme comme ça, tu peux pas le laisser comme ça, c'est pas possible. George, baissez ce fusil, pour l'amour de Tom. Holmes, tiens, tiens, un adversaire presque valable. Tom, mon Tom, si vous avez touché à un cheveu de mon garçon, vous allez me le payer. Tom est en sécurité, à Londres, avec un ami de confiance. À présent, finissons-en. Oui, finissons-en. George Hearst, il est temps d'arrêter le massacre. Vous auriez dû être arrêté il y a des semaines, avant de tuer Strawbridge par jalousie. Lâchez ce fusil. Je suis peut-être blessé, mais je ne vous raterai pas. Si je vous avais eu dans mon viseur, je ne me serais pas contenté de vous blesser. Oh. Le meilleur détective d'Angleterre. Détective. Regardez. Voilà comment vous êtes tombé malade, Lord Marsh. C'est en décapitant vos victimes, atteintes de tuberculose, que vous avez contracté la maladie. Ce n'est que justice. J'avais tort. Le meilleur détective d'Angleterre. Assez. Vous allez mourir ici, Lord Marsh, et lentement. Oh, je me suis planté. Quoi? Qu'est-ce que je fais? Ah, j'ai rien fait. Monsieur Hearst, vous avez déjà exécuté Lord Harrington, et je l'espère, Lord Collins et le Dr Fisher. La logique voudrait que vous vous occupiez également de Lord Marsh pour marquer la fin du Quatermain Club. Je vous laisse. Oh non, attends. Oh non. Oh non, j'ai honte quand tu sais ce qui. Oh non. Oh, je suis qu'une merde. Et on est que 2% des joueurs et on fait le même choix moral, mais on est vraiment que. Oh, je suis qu'une sourasse. Non. Oh, le fond était tellement. Je.
Putain, j'avais un instinct dès le départ sur lui qui était trop bizarre. Et pourquoi au dernier moment? Peut-être parce que juste que Hearst me tire dessus. Putain. Ah, je peux pas classer l'affaire. On va rejouer la fin. Mais je mérite pas. Je mérite clairement pas. Attention, en terminant, en cas vous effacerez ce regard de chapitre, choisissez non pour essayer une autre fin. Ou oui, si vos choix convient. Voulez-vous vraiment jouer à conclusion? Oui. Oh non! Oh, j'ai le seum. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous aviez pensé comme moi ou si vous aviez trouvé autre chose en fait. C'est à ce moment-là où j'ai bugué, où tout à l'heure je me suis dit, bah, Lord Marsh, non, ça paraît bizarre, quoi. Ah oh bah lui c'est prison direct, enfin je... Ah, je relaisse la scène. George, baissez ce fusil, pour l'amour de Tom. Holmes, tiens, un adversaire presque valable. Tom, mon Tom, si vous avez touché à un cheveu de mon garçon, vous allez me le payer. Tom est en sécurité, à Londres, avec un ami de confiance. À présent, finissons-en. Oui, finissons-en. George, écoutez-moi. Je sais que vous voulez vous venger, mais en tuant Marsh, vous lui donnerez exactement ce qu'il veut. Il mourra, en sachant qu'il a gardé le contrôle de sa vie jusqu'à la fin. Mais si vous le laissez vivre, il sera arrêté, condamné, et il connaîtra le pire des châtiments. La tuberculose et sa mort lente se chargeront de lui faire vivre l'enfer. Il connaîtra une agonie douloureuse, interminable, derrière les barreaux. Vous êtes fou, aussi fou l'un que l'autre. Allez, allons retrouver Tom. Pas encore. Je vais vous tuer, Lord Marsh, mais pas proprement. Vous allez mourir lentement. Ne faites pas ça, George. Détective, regardez. Voilà comment vous êtes tombé malade, Lord Marsh. C'est en décapitant vos victimes atteintes de tuberculose que vous avez contracté la maladie. Ce n'est que justice. Vous ne comprendrez jamais. On ne peut sauver tous ces gens sans sacrifice. Mais ne me laissez pas mourir comme ça, Holmes. Tuez-moi! Je comprends votre point de vue, Monsieur Hearst. Mais je ne pouvais pas vous laisser continuer. Je ne pouvais pas le laisser le tuer, il méritait pas ça. Ce fond musical derrière, c'est parfait. Du coup, là, c'était la vraie histoire, enfin la vraie fin de l'enquête, où Lord Marsh est un tueur de sang-froid qui n'accorde aucune valeur à la vie des pauvres et qu'il estime avoir le droit de vie ou de mort sur ces gens. Il mérite son sort, je suis d'accord avec ceci. On est 76% des joueurs ayant fait le même choix moral. Waouh. Waouh. Je me suis trompé. Et je pense que je ne dois pas être le seul. Et j'aimerais vraiment avoir votre avis dans les commentaires sur ce que vous avez pensé de cette fin. Si vous avez pensé comme moi, si vous avez eu la bonne réponse dès le départ. Voilà, je me suis trompé, c'est pas grave. Donc on fera mieux à la deuxième enquête, j'espère. Voilà, donc là, la fin de l'enquête a sonné, ça fait 2h15 que je tourne. Je pense que je vais vous séparer ça en 3 parties, 3 quarts d'heure peut-être. En tout cas, si tu as kiffé justement cette première enquête, donc il y en aura d'autres, il y en aura forcément d'autres pour cette série. J'adore ce jeu, j'adore, je suis prenant, je suis pris dedans, c'est trop bien.
Ok, excusez-moi, j'ai eu un petit coup de fil important, je devais répondre. Du coup, j'allais vous dire, bah voilà, si tu as kiffé l'enquête, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et un commentaire justement pour me dire tout ça. Si tu as kiffé, moi je vais continuer, je vais en faire d'autres. De toute façon, je vais faire le jeu, hein, je vais le finir. Voilà, donc moi je te dis à la prochaine enquête, donc dans la prochaine vidéo, je te dis ciao.